Voilà, on va être obligé, Franck, on va être obligé de s'excuser. Il fait plus de 30 degrés. Oui, la question a été posée. Oui, il y a de la 4G, mais... En mode Woodstock, 4G Woodstock. C'est la 4G Woodstock. On parle des concerts. Alors, il faut pas, on voulait vous emmener, dans le poste précédent, on voulait vous emmener là-bas, dans les coulisses. Eh bien, il y a une sorte de barrière hein, au niveau des coulisses, c'est-à-dire tu y rentres, mais la 4G, non, elle n'y rentre pas. Les concerts, c'est à partir de 18h jusqu'à... Le dernier concert à 1h du matin, fermeture des portes 2h. Ouais. C'est de 18h-19h jusqu'à 2h du matin, il y aura de la musique ici. C'est ça, musique live, ouais. Je suis désolé, je sais que tu sais pas tout, parce que, je vous le dis la vérité, cet homme est à fond depuis tout à l'heure, et il n'en peut plus. On a réussi à le choper 5 minutes, en même temps qu'on lui parle, là, il y a des gens qui font des signes, style, il va se passer ça, il va se passer ça. Du coup, il peut pas se souvenir de tout. Allez, donne-moi quand même quelques groupes, alors, parce qu'on en connaît pas mal, c'est des groupes insulaires. Il y a The Raccoons qui vont jouer en formation, première partie acoustique, après ils vont rentrer avec basse, batterie, tout ça, avec formation complète. Après il va y avoir SMS, si je ne me trompe pas, il va y avoir Marianne Aldi, il va y avoir le groupe Snail, il va y avoir Casablanca Drivers, ouais. Il va y avoir... Il y en a, j'en ai oublié. Le style musical, c'est, on est quand même très rock. J'aime pas trop comme pas le mot ça. Rock. Non, parce que c'est pas... C'est pas la vérité, parce que c'est vraiment un festival de musique, peu importe, le tout c'est que s'ils sont là, c'est pas qu'ils font du rock forcément, c'est qu'ils font leur musique et... Comment tu sélectionnes d'ailleurs? Alors on lance un appel, il faut savoir qu'une grande partie des groupes est bénévole, c'est comme ça qu'est né le festival et d'ailleurs on leur remercie... Non, ça serait pas possible, de toute façon financièrement... Pour l'instant en tout cas, voilà, c'est grâce à eux que le festival est né, vraiment, vraiment, et donc on lance un appel... Vas-y. On le lance toujours sur Facebook, c'est notre moyen de communication principal. On lance cet appel et les groupes se manifestent et dans ce lot de groupes qui se manifestent, on fait notre choix. Ah, je ne t'ai pas dit, hein, on a fait gagner, comme on avait dit tout à l'heure, deux personnes. C'est Nicole, je crois, qui a gagné. Et là, on va regarder, on est en direct, on va regarder les gens. Je vous rappelle que comme on est en direct, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions. Il y a Franck, l'organisateur, avec nous. Il y a Letty qui nous regarde. Il y a plein de gens qui s'intéressent. On me redemande comment on fait pour se rendre. On vous l'a dit, vous allez jusqu'à Saint-Florent, au carrefour de la cathédrale. Vous prenez direction la cathédrale, vous continuez, vous regardez le sol. Quand vous voyez écrit CW en orange sur le sol, c'est que vous êtes sur la bonne route, ça prend 10 minutes, juste après chez Yvelet, quand on arrive, c'est sur la gauche, il y a un petit chemin, c'est indiqué, et vous arrivez ici, là il fait un peu chaud encore, mais on est en train d'arroser le terrain, c'est important, et pour la sécurité, et aussi pour la température, et tout se passera bien. Il y a Sylvie Sanchez qui nous fait un gros coucou d'Arles, vous êtes au top, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, mais en tout cas c'est cool. Elle est contente. Ça c'est pour ce soir, tous ces groupes, demain soir c'est la grosse soirée. Non, c'est deux grosses soirées, réellement. Allez, ouais, on va pas faire de classification, non, politiquement, il a raison. C'est deux grosses soirées, avec deux têtes d'affiche. Ce soir, c'est Casablanca Drivers, demain, Pony Pony Run Run. Voilà, Pony Pony Run Run, si on devait les présenter, c'est quel style musical? Ah, c'est pop électro. Ouais. C'est franchement une chanson très connue et tout le reste qui demande à être connu aussi. Y a-t-il un bus pour nous emmener depuis Manchester? C'est Mathieu Garcia qui demande ça, alors je ne sais pas si tu connais. Coucou les OWLS. Eh, hey, c'est nous, ouais, coucou. Ça te dit quelque chose? Non, je ne connais pas, toujours pas. Mais bon. Tu as des fans que tu ne connais pas. Allez, on continue ce promenade. Donc ça peut être des fans d'un autre, un des 8. Ah oui, c'est pas que les tiens, les fans. On est 10 organisateurs. Hein. Attends, hein, changement. On a vu avec ton père tout à l'heure une vingtaine de bénévoles qui travaillent pendant au moins une bonne semaine sur le champ. Ouais. Mais en amont, lui, il pouvait pas trop me dire, en amont, c'est combien de temps de préparation? Un an de travail. Un an de travail, c'est-à-dire que là... Quand on finit, on débarrasse. Quand on a fini de débarrasser, on commence déjà à organiser pour l'année prochaine. C'est réellement un an de travail. Bon, je vais te laisser parce que il faut que tu ailles voir encore nos amis de la commission de sécurité. On espère que tout va bien se passer. Vers qui tu m'entraînes pour continuer la visite? Alors, je voudrais faire un tour des stands, moi. On peut voir Alex 5 minutes. Alex, Notre membre des Halls, notre guitariste. Le guitariste des Halls, je dis bonjour avec celle-là. Bonjour. Et organisateur de cette manifestation. Le propriétaire des lieux. Ah, c'est... tiens, à tout à l'heure Franck, oui, on te dira tout à l'heure. Je suis obligé de le laisser. Depuis tout à l'heure, je vois, il y a des gens qui font des grands signes, tout le monde l'appelle. Sa vie est un enfer. On se promène? Allez. C'est que j'ai déjà oublié ton prénom. Alex. Merci Laurent Simon-Paul qui derrière nous dit Alex. On a parlé des deux concerts. On ne va pas trop aller vers là-bas parce que sinon ça va couper comme on est en direct. Voilà, je préfère prévenir, on est en direct. C'est bon, pas de souci.
On fait un petit peu le tour des stands. Allez. Parce que Corsican Woodstock, c'est de la musique. Hop. Mais pas que. Et cette année, c'est le village. C'est le village Woodstock. Là aussi, comment ça vous est venu cette idée de rajouter ces exposants? C'est quoi l'état d'esprit, la sélection? Comment ça se passe? Non, oui, c'est surtout pour faire marcher beaucoup de jeunes qui ont des stands, beaucoup d'amis à nous, de faire un peu comme les autres festivals, que ça fasse plus plutôt familial, comme une foire. Ouais, une foire, comme une foire, ça fait plus corse, on va dire. C'est plus un esprit. Donc tu les connais tous? Non, je ne connais pas tous, alors je sais que c'est Benoît. Hein. Allez, on va voir Benoît. Ouais. Alors. Bonjour. Bijoux, qui on embête? Vous êtes en direct. Qui j'embête? Allez, regarde, il y a un homme, Barak est à côté, il se fait tout petit, c'est comme d'habitude. Et pourquoi? Je l'ai bien fait moi avec Francine, Benoît. Bon ben voilà, on est toujours là. Voilà. Benoît, ils sont toujours sur les bons coups, bizarrement. Voilà. Hein. Ouais, on se régale. Venir à Corsican Woodstock, pour vous, c'était logique? C'est quoi? De suite, on a dit, on est partenaire, mais à fond, à 100%. Ici, qu'est-ce que vous proposez? Alors, des vêtements. Alors, nous, on a le stand Fleury. Hein. Ah, ben, c'est le stand Woodstock. Hein. On s'est fait une sélection spéciale festival. Donc, bon, de tout, des robes, des tops, des jupes, des chapeaux, des couronnes de fleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on sait que vous êtes très amis avec Francine souvent, hein, au niveau des habits. Moi, là, qu'est-ce que vous pouvez me prêter, là, pour que je fasse mon tour? Oui, vous allez, hein. Non, allez, vous me la mettez bien? Ben, on est Woodstock ou on n'est pas, Laurent? Je sais, toi, tu as la cassette. Casquette américaine. Quoi, ça va pas m'aller? Ça va m'aller ou non? Un chapeau, non? Si vous faites le tour au soleil et tout. Allez, prêtez-moi le chapeau, c'est encore plus... Allez, ouais, je vous le ramène tout à l'heure. Le paille, il est moins... Le paille. Hop, chapeau en paille. Voilà. Oui, Laurent, un commentaire? Non, je crois que les gens sont tellement écœurés qu'ils vont même pas commenter, en fait. Merci. Merci, Benoît. On vous le ramène tout à l'heure. Vous allez à côté, elles sont avec nous. On va à côté, elles sont avec vous, d'accord, et elles font... Elles vont faire du body painting. Ah, du body painting. On en a fait à Creation, il y a quoi? Il y a 15 jours, on avait fait du body painting à Creation. Avec Simone Grimaldi, avec Sarah, Lucette Robert, et c'est tout. Et visage, non, on parle body painting, cher ami. Voilà, on va jusqu'au bout. Tiens, un petit bonjour à Marie-Dominique qui me dit trop cool, merci pour la tenue. C'est pas grave. On est en direct, donc on en profite, on a les commentaires. Qui c'est qui va se faire peindre? Un peu tout le monde, on va commencer par Antoine. Vous attaquez dans? Oh là, on va commencer, on va faire un petit visage. Bon, on fait un petit tour et puis on vient vous dire au revoir une fois que vous aurez attaqué. Antoine, on y va. Hein. Ado. Alex, je retrouve Alex. Hôtel Panama. Donc, Angie. Bonjour Angie. Bonjour. Et si on me présentait Hôtel Panama? Alors. Et on évite de se moquer de ma tenue. Merci. Vous êtes dans le thème. Alors, Hôtel Panama, c'est un service de broderie main à la base, donc personnalisé. Et qu'on a lancé donc cet été, on l'a lancé en février et cet été en Corse. Et du coup, on s'est dit que ça serait sympa de venir à Corsican Woodstock. Surtout ici, c'est dans le thème. Et donc pour lancer ce service de broderie, on a fait une collection capsule de bandana, vinyle retour, où les gens brodent. Vous avez 10 secondes pour me montrer quelque chose. 9, 8, 7, 6, 5. Angie s'occupe de notre Instagram, du Corsican Woodstock, et c'est grâce à elle si le réseau est grandi. Alors, puisque Angie, elle nous montre un exemple de ce que font Hôtel Panama, c'est des bandanas et c'est personnalisable. Et il suffit. Avec des musiques des Halls, donc de leur dernier album Sons of Beach. Les Halls, c'est le groupe des organisateurs. Hein. Des organisateurs, tout à fait, avec la musique Funky Junkie, donc personnalisée pour le festival. Ça fait 10 secondes? Bon, ça ira. Dites-moi, on m'a dit que vous vous occupiez aussi de la page Facebook de Corsican Woodstock. Et la page Facebook, c'est vous aussi? Voilà. Je suppose que, bien entendu, vous avez déjà partagé le direct qu'on est en train de faire. Sûrement. Je fais le tour, je reviens et je vérifie, ok? Prenez vite le téléphone. Non, mais je rêve. On continue, Alex. Allez, là, maintenant, c'est le stand
Jonathan Dejo. Tu les connais aussi? Oui. En fait, c'est elle qui nous a habillés pour nos tenues de scène. Donc les Bleus de Chine, là, qu'on voit là. En fait, c'est tous les partenaires du groupe qui ont décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et de venir ici, malgré la température pour l'instant qui est un peu élevée. Là, pour l'instant, c'est trois partenaires d'affilée. Allez, après, on leur dit bonjour. 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 Je te présente. Bonjour, je suis Elodie Manoui, la créatrice de Jo. Et nous, on est en direct sur la page Facebook de Viastyle. Non, comme quoi, non, ce n'est pas préparé. Vous aussi, venir ici, c'était logique, partenaire du groupe, ben, on va jusqu'au bout et on participe à la manifestation. Nous, c'est une première, on habille tout le groupe des Halls. Il a dit, vous inquiétez voilà. Pas, il a bien vendu le truc. Et d'habitude, on n'est pas présent sur ce genre de manifestation, mais exceptionnellement pour les Halls, on a fait un effort. On sent l'amitié, hein. Sinon, ça va. Non, j'ai pas soif. Bien sûr. Allez. Avec modération. Voilà. Merci, je suis obligé. Hein. En plus, oui, ben ça on va pas trop le dire, hein. On n'a pas trop, tu sais, comment dire. Alors on arrive au Banana, Pink's Banana, vous connaissez, vous êtes obligé de connaître. Elles se définissent elles-mêmes comme quoi? Comment elles se définissent? Des commerçantes itinérantes. C'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure, hein. Ah oui, un peu folle. Un peu folle. Voilà. Oui, elles sont un peu folles. Elles ont fait. Mais regardez, franchement, vu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous les avez déjà vues. Vous les avez déjà vues avec une des personnes qui n'est pas tout à fait stable aussi chez nous, qui s'appelle Lisa Bettigne. Elle va adorer votre commentaire. C'est pas sympa pour Lisa. C'est pas si ce n'était pas une amie, je ne me permettrais pas, je vous promets. Qui avait fait un reportage qu'on peut retrouver sur YouTube. Voilà. Ben voilà. Ben écoutez, vous aussi vous êtes dans le ton Woodstock? Oui, non mais nous on est tout le temps dans le stand. À chaque événement. Oui, mais ça vous correspond bien. C'est ça. Merci, à bientôt. Oui, Lisa Bettigne dans le cadre de INSEM avait fait un reportage, Laurent, sur Pink Banana. Et c'est vrai que c'est des gens vraiment sympas, qui se prennent pas la tête et qui participent souvent à ce genre de manifestation avec leur truck habit. Et si on parlait de ça? Oui, ce genre de truc, bon, c'est léger, c'est bon, celui-là un peu plus facile, puis cela, et puis celui-là, et puis oui, quand on est à Woodstock, on est tatouage, donc je vais être obligé, Laurent, de prendre la caméra et de te filmer en train de te faire tatouer en direct, hein. Il n'y a pas trop le choix. Non. Alors, pour représenter les tatouages, on a deux amis, mais deux concurrents. On a Doumé avec Antoine au shop tatou. Et on a son ami, et comme je le disais, non moins concurrente, qui s'appelle Nathalie, qui représente. Je travaille chez Absolute Tattoo. Absolute Tattoo. Au shop Tattoo, Absolute Tattoo, ils sont sur champ de foire. Concrètement, si on a envie de se faire un petit tatouage? Il n'y a aucun souci, on vient, on demande des conseils, et puis je pense qu'on saura orienter. On peut le faire sur place? Bien sûr, oui, on est là, sur place. Au shop aussi, si on veut faire un. Doumé, si on veut faire un tatouage ici. J'ai dit amis et concurrents, Doumé. Ouais, voilà. Le thème, pardon? Plus amis que concurrents. Bon, d'accord, allez. Confrères, ça va, confrères? Bon, ok. Le symbole qui ressortira peut-être le plus sur Corsican Tattoo, il y a des thèmes qui sortent plus que d'autres au niveau tatouage? On ne sait pas encore, on verra. Peace and love, les doigts comme ça. Bah. Que de l'amour et du bonheur. Bien sûr, bah oui. Bon, c'est vrai qu'après, sur le torse, certains sont un peu plus sur des figures un peu plus agressif, un peu plus bon voilà. Bon, concernant les tatouages, c'est sûr, il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Voilà, monsieur est sûrement déjà laissé chez au shop. Là c'est, alors je les ai vus tout à l'heure, c'est j'ai oublié. Marina, bonjour, vous venez nous parler? Non. Bah, étant donné qu'on est en direct, là, ça va être compliqué. Hein. Elle se cache. Dites-moi juste ce que vous proposez. Allez, en deux mots, dites-moi ce que vous proposez. Des petits bijoux fantasy. Des pareo. Attendez, je suis là. Alors, des petits bijoux fantasy, des pareo. Et on est dans l'ambiance Woodstock, vous aussi. Un petit peu, oui, on essaye. Hein. C'est pour ça que vous êtes venu ici. Ben oui. Sous cette température caniculaire. Tout à fait. Il paraît que ça va se rafraîchir, vous inquiétez pas. Merci, voilà, je ne vous ai pas beaucoup embêté. Alex, on continue encore avec des bijoux? Allez. Que tu connais très très bien, c'est My Création.
Bonjour. C'est facile quand c'est écrit dessus. Vous aussi, bijoux, et on est aussi dans l'ambiance Woodstock? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bien sûr. Vous aussi, c'est la première année que vous venez ici? Oui, c'est la première année. Ça va oui, bien se passer? Super, on espère. Avec la musique autour? Voilà, bon, allez. Et on termine, hop, parce que comme ça, on peut pas éviter, sinon... Le monsieur, il veut se cacher. Bon, mais c'est pas grave, on va quand même aller le voir. Hein. On est dans de la déco. On est sur le bocal. Série spéciale Woodstock. Qui me présente vos créations? On est sur deux thèmes, il y a la... Déco, bijoux. La déco, c'est... C'est moi. Donc... Et les bijoux, c'est... Madame. Voilà. Ben, on travaille en famille, c'est bien. Voilà. C'était important pour vous de venir à cet événement? Bah oui, déjà pour par rapport à l'image du festival et puis pour présenter, puisque pour les meubles, c'est la première fois qu'on les expose. Il y a des meubles à base de palettes, il y a... Palettes, bois flottés, guitare qu'on récupère mais modifiée en étagère, voilà, de la déco, un petit peu, plusieurs thèmes. Ben voilà. Et oui, il y a aussi le village à Corsican Woodstock. En même temps que vous écoutez de la musique, il y a encore les balances, et ben vous pouvez venir faire un petit tour ici. L'ambiance, si on devait, Alex, si on devait définir l'ambiance sur ce festival, détendu, sympa. Oui. Non, enfin, à la découverte de beaucoup de choses. Et ça, c'est... Ça, c'est le président de l'association, Jean-Nico. Oh, Jean-Nico. Jean-Nico, viens. Ben oui. C'est lui, il a bien fait de tout, tout. Tiens, Alex, je te laisse et je récupère Jean-Nico. Bonjour. Ça va. Vous croyez passer inaperçu. C'est le seul coupé court, hein, oui. Dans l'association. Moi, je suis rasé de près. Par rapport, même au niveau des cheveux. Oui. Quand on est président de l'association, on est à une heure du début. Une heure du début, tout va bien. Là, on règle les derniers petits soucis avec monsieur le préfet et ça va. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, qui est très pointilleux mais bien sympathique. Vous avez eu droit en direct sur Facebook via Steel au premier Larsen de la soirée. Mais c'est les balances, donc on a le droit de faire des Larsen pendant les balances. Bouge pas, je te laisse le micro 2 minutes et je regarde les commentaires. Bonjour à Seattle, au top. Marie Battès, qui elle carrément dit pas de commentaires. Je me suis régalé l'année passée. Marie-Jeanne, bon esprit. Marie-Dominique nous dit un merci. Ben, on continue, allez, on continue. Des petits soucis, c'est quoi? C'est toujours, on est en pleine nature, on va accueillir 5 000 personnes. C'est les derniers réglages de sécurité à faire, les issues de secours à flécher, des petites prises qui dépassent, mais bon, ça devrait aller. Hein. Ça devrait aller. On négocie, non, mais de toute façon, je crois que le but de tous, des administrations comme des organisateurs, c'est de faire en sorte de ne pas prendre de risques. On a vu, vous avez arrosé, vous avez prévu. Je crois que j'ai déjà croisé 35 extincteurs, c'est ça. À peu près. Et puis tout est balisé. Allez, on croise les doigts, ça va bien se passer. Ça va démarrer peut-être avec un peu de retard, une demi-heure ou une heure, mais on sera là ce soir. Hein. Jusqu'à 2h du matin minimum. Jusqu'à 2h du matin, donc 2h du matin, ça sera la fin, on débordera peut-être un peu, mais ça sera 2h. On redescend jusqu'au comptoir ? Allez, on y va. Allez. Demain, c'est en concert. Demain, en tête d'affiche, les Pony Pony Run Run. Et ce soir ? Et ce soir, les Casablanca Drivers, qui me font le plaisir d'être là. Fraîchement arrivé de Paris. Attends, tu sais quoi, il faut que je rende le chapeau à Benoît et je te rejoins. Viens Laurent, viens. J'ai ramené le chapeau, hein. J'avais dit qu'on devait regarder juste un petit coup le painting qui commençait. Voilà. Elle est tout au début. Elle se prête au jeu. Voilà, c'est juste le début. Bon courage, parce que nous, on l'a vu à Creation, le body painting, ça peut durer jusqu'à... Très tard. Très tard. C'est-à-dire qu'en gros, il va pas falloir qu'elle bouge pendant... Très longtemps. Voilà. On va s'arrêter au visage ou on va oser descendre un peu quand même? Jusqu'au pied. Ça va prendre minimum 4, 5, 6 heures. Oh, je pense, un minimum. Voilà. On va prendre notre temps. C'est que tu vas avoir des crampes de partout. Ça va être le top. C'est que tu vas mourir, tu vas transpirer. C'est ça qu'on veut. C'est ça les artistes, ils sont prêts à souffrir pour l'art. Bon, courage, on ne pourra pas rester en direct jusqu'au bout, mais promis, la prochaine fois on se reverra. Courage, hein. Promis, restez sans bouger pour se faire peindre du haut du crâne jusqu'au pied. Franchement, il faut avoir du courage. Ben, si vous voulez voir ça, en plus de la musique,
Nous, on était allé le voir, je vous l'avais dit tout à l'heure, à Création. Vous avez montré les food trucks. Ah, les food trucks, ils sont là-bas. Alors, on en a montré un là-bas, mais c'était pas un food, c'était un... On va avoir les Tonton Burger de Bastia, qui font du poulet mariné croustillant, qui est terrible. Casé le food truck, Burger Nostral. Maté, qui vend son alcool. Et là, c'est les glaces, je sais pas qui c'est. Ouais, mais là-bas, il y a la commission de sécurité, on va peut-être pas les embêter. Hein. Bien entendu, oui, des gens nous posent la question. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place? Bien entendu qu'on peut se restaurer sur place. Je peux passer derrière le comptoir. Il y a Alex qui est là-bas. Tout va bien, Alex. Ça va, Alex? Allez, viens, Laurent. On a presque fini le direct, hein. On est toujours en direct. Alors, vous avez vu Franck, vous avez vu tout à l'heure le papa. Voilà, la deuxième personne qui est responsable de cet événement, c'est la maman. Bonjour. Bonjour. Et en plus, elle est mise à contribution. Hein. Oui, avec plaisir. Toute la famille. Voilà. On est derrière le comptoir. Là, c'est tous les bénévoles. On va trouver quelqu'un qui vient. Bonjour. Bonjour. Corsica Woodstock. Merci incognito. Doit-on vraiment présenter Frédéric Balbino? Mais nous, on entend. Hein. Il n'y a pas de problème. On est là. Voilà. Directrice du théâtre de Bastia, c'est important de venir ici. Hein. Oui, c'est la première fois. Je ne sors pas beaucoup de mon théâtre. Ouais. C'est important pour repérer les artistes qu'on pourrait se faire produire, qu'on pourrait faire produire au théâtre. Exactement. De Bastia. Exactement. Ce que tu en penses? C'est les balances, je peux pas juger sur des balances. Non mais le style au théâtre de Bastia. Laurent Simonpoli, il doit vachement aimer. Il est passionné. D'ailleurs, je crois que vous allez rester toute la soirée, hein, jusqu'à 2h du matin. Bon allez, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? On remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live Facebook. On remercie Franck. On remercie les parents de Franck. On remercie Alex. On remercie Pierre, le président. On repasse par là. Miam miam pour Françoise, bonjour pour Waïd, Marif, Dominique, peace and love, Ange, Luigi, c'est sympa. Merci d'avoir été avec nous pour ce direct. Bravo à Nicole qui a gagné ses deux entrées gratuites pour le concert de ce soir. Attendez, si ça reste comme ça, on essaye d'aller leur dire bonjour pour terminer, Laurent. Ils étaient en train de régler la réverbe. Merci d'avoir été avec nous. En ce qui nous concerne, on doit se retrouver demain. Demain, ça sera vraiment à consommer avec modération. On sera un peu plus dans le nord, voire beaucoup plus dans le nord. On sera pratiquement, Laurent, à l'extrême nord, puisque nous serons à Loré. Nous, du coup, combien de parties? On commence la balance par l'électrique plutôt. Là, le monsieur il me regarde, il se dit qu'est-ce qu'il fait lui. On fait les électros parce que ça c'est le seul truc qui est vraiment balancé. Mais sur tout ce qui est électrique, vous allez vous brancher sur des lignes qu'on a déjà faites. D'accord. Du coup ça va sonner quoi. Au pire, vous me faites ici et j'ajuste plus moins. Mais ça va sonner direct. Quoi. Donc on commence, on se fait 5-6 chansons acoustiques et après on attaque l'électrique. Ok, on fait juste les prébalances des acoustiques. Ouais. C'est les balances. C'était. Excusez-nous, on est en direct. On est en direct. Je le dis avant de dire des trucs bizarres. Le groupe là, c'était. Qui vient de faire la balance? C'est AFDC. Et celui qui va faire les balances maintenant, c'est. The Raccoons. Plus fort. The Raccoons. Voilà. Et vous serez aussi là ce soir. Voilà. C'est eux qui ouvrent. Alors, si vous voulez participer à cet événement, n'hésitez pas. On vous l'a dit, prenez la route de Saint-Florent, vous prenez côté cathédrale, vous remontez, et juste après le domaine Yvelet, c'est tout marqué au sol, vous pourrez arriver ici. C'est une bonne ambiance, c'est sympa, tout le monde va dans le même sens, échange, partage, bonne ambiance tout simplement. Oui, Laurent? Et un peu de transpiration.
Oh, c'est léger, mais c'est pas grave, c'est la bonne ambiance. On se retrouve demain, nous on sera, comme je vous le disais, tout en haut du Cap Corse, on sera à Lourdes et on va parler de viticulture. Ça tombe bien, on est juste à côté de chez nos amis Yves Lech, Oringa de Gafour et autres, puisqu'on est juste à côté de Patrimonio. À demain à Lourdes.